Bonjour à tous, ici Sprudex et bienvenue dans ce 35e épisode de Let's Play sur Arx Fatalis. Alors, on est de retour chez les Femmes Serpents, on va essayer, et je dis bien essayer, de les contacter sans qu'elles nous agressent. Déjà, ce bouton, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Ici, il n'y a pas de bouton du tout. Et j'entends quelqu'un derrière faire du bruit. On regarde un peu la carte. Par là, c'est pour descendre plus bas, hein, chez les rats. Très bien, donc le seul moyen d'avancer, c'est d'aller de l'autre côté. Mais de l'autre côté, on m'attaque. Peut-être que si je mettais l'anneau sur moi, à la place de l'anneau d'or qui est là, par exemple. Donc Kraoz. Peut-être qu'il m'écouterait un peu plus. Je peux rentrer? Vous n'allez pas me taper? Bon, ok, bah on va devoir les buter, hein. Aïe, ça pique. Ah bah. Oh, je l'ai buté. Oh bah, ça c'est pas si difficile que ça une fois qu'on a projectile magique. Bon. Tant que j'y suis. Non. Méga vitae. Méga, méga, vitae. Voilà. Et même un méga vitae. Ah. Non. Voilà. Très bien. Et on va avancer doucement parce que là, hein. Elles sont contre moi, une à la fois. Tu veux pas me parler? Moi je... Elle se barre, elle se barre, elle se barre. Très bien. Elle a rien sur elle. Suivant. Hop, niveau en plus, très bien. Un collier. Alors, niveau en plus. Un en force.
Intuition, compétences manuelles. À 50. Là, je peux plus. Mécanique. Voilà, à 51. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je m'en fiche. Et toi aussi, tu vas regretter tes actes. Ce qui est bien, c'est que comme je suis dans son aura, elle me fait pas mal. Enfin, elle me faisait pas mal. Maintenant qu'elle est empoisonnée. Bah désolé ma fille, mais fallait me laisser passer la théorie de l'arme ultime par Kartok. Ok. Qu'est-ce que ça raconte? Pour créer une arme de la sorte, il faut trouver le meilleur métal qui sera forgé dans la meilleure forge et ensuite enrichi magiquement par les meilleurs enchantements. De recevoir puis stocker une grande énergie magique, donc il faut qu'il soit le plus pur. Ok, le seul métal connu à ce jour, oui, le mithril. Ok, pour en outre produire le meilleur alliage et mélanger un autre composant, faut toutefois choisir le composant à mélanger. Blablabla. Les meilleurs forgerons sont les nains, d'accord. Donc en gros, aller chez les nains avec du mithril et un autre métal et plein d'autres ingrédients pour pouvoir... Oh, il y a eu un petit lag. Les règles de Noden, dimension des dieux. La cuisine pour les gobelins. La recette pour faire des ciambelles. Le sucre avec la farine, rajouter une mesure d'eau et malaxer la pâte pour obtenir quelque chose d'homogène. Lorsque c'est fait, mettez au four en faisant bien attention de ne pas brûler le tout. Une fois que c'est cuit, prenez un œuf de poule et mélangez bien le jaune et le blanc. Étalez cette mixture sur votre gâteau cuit et remettez au four pour un tout petit moment. Bon. Il y en a d'autres des recettes? Non, il n'y a que celle-là. Potion d'invisibilité. Ah mince, je l'ai pris, je l'ai avalé plutôt que... Bon, c'est pas grave, allez, on continue. On va voir... Hop, on active le portail pour qu'on puisse revenir facilement. Là-bas, ils sont deux. Ah, c'était ici. Et donc là, on a le tunnel qui va vers eux. C'est fermé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pas vraiment conclure. Faut que je trouve la clé. Alors, ici. Merde.
ça pique. Les feux. Aïe. Aïe, allez. Allez, 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 allez. Mais t'es sérieux? Aïe. Bon. J'ai oublié de sauvegarder forcément. Alors, voyons. Bah, faudra recommencer, hein. Hop. Non. Voilà. Et on va de retour les buter une à une. Diva, si tu veux. Il y en a deux. Je vais prendre l'arc. Heureusement, ils n'ont rien entendu. Maître Zoark. Parfait. Deuxième. J'ai eu mon niveau. J'avais dit que je mettais 10 en compétences manuelles. Ouais, 1 ici en force. Voilà. Et il me reste 6 à mettre. Voilà, comme ça. C'est encore mieux. Et maintenant que je vois qu'à l'arc ça va un peu plus vite à tuer, tout en restant à distance, on est bon pour éliminer les deux là-bas. Donc ici déjà je fais méga spatium. Allez. Allez. Voilà. Petite sauvegarde qui fait plaisir. Fait qu'elle est en soin, c'est...
Faudrait du critique, hein. Au moins que j'en bute une sur les deux, c'est bien. Il y en a une qui s'enfuit. Donc à moins qu'elle se soigne. Une en moins. Et la deuxième devrait pas tarder à revenir. Non? Bon, je voulais pas vous tuer, hein, mais... Plus rien. Et encore celle-ci et la reine. Elle m'avait enlevé ma défense, mais enfin, vu que elle ne venait pas au corps à corps, de toute façon, défense en moins, c'est pas très grave. Ok, reste la reine. Merde, j'allais faire un point de sauvegarde, mais. Voilà. Ah, je pensais avoir plus dur quand même. Hein. Petite clé en métal, globe lumineux, anneau de protection, champ de foudre, aura d'anti-magie, très bien. Plein de petites bonnes choses à se mettre sous la dent. Est-ce que la petite clé va servir à ouvrir le coffre rouge, dans lequel se trouvera le deuxième anneau? Il n'y a pas le deuxième anneau, en tout cas un anneau de régénération, un anneau d'invisibilité. Là il n'y a plus rien, là il n'y a plus rien. Bon. Où est donc ce deuxième anneau? D'accord, c'est genre délit. Allez. Par ici, il n'y a plus rien. Le cristal va servir à réparer le bouton de l'autre côté. Je vois que ça comme... comme possibilité. Et donc, comme le cristal sera de l'autre côté... Enfin, comme le bouton sera réparé, on pourra aller de l'autre côté. Je vais devoir sauvegarder avant. Là, un peu de vin pour faire passer tout ça. Je sais pas ce que c'est que cette icône. Bon, je suis complètement bourré. Cette icône rouge là que j'ai depuis Et il n'y a rien.
quelqu'un qui veut me... Bon. Sauvegarder. On continue. Alors. Parfait, ça marche. Alors à partir de là. Oh, je le sens tellement mal. Tous ces rideaux qui pourraient s'ouvrir et laisser des femmes serpents sortir. Ou pas. Ok. Quelquefois, ce que l'on peut voir n'est pas le réel. Ok, donc un peu de magie. Améliore la vision. Dissipe les illusions. Où est-ce qu'il est ? Là. Mince. Hop. Donc, et c'était le dernier. Non. C'est ça ici alors. Allez, d'accord. Mince. Ah oui, comme ça. Mince. Attendez, hein. Voilà. On a dissipé les illusions, non? Les rideaux. Ah ah, il y a une porte ici. Mais comme j'y vois pas. D'accord, il y a une. La faiblesse du serpent doré se trouve là où son épée croise son sceptre. Faiblesse du serpent doré, là où l'épée croise le sceptre. On va quand même aller voir là-haut et faire tous les rideaux un par un.
hall des valeureux. Ok. Là, un croisement entre l'épée et le sceptre. Je sais pas ce que ça a activé. Ah, serpent doré. Très bien. Et ici, comment on y va? Parce que grosso merdo... Déjà, ce serpent doré, à quoi il sert? Il faut que j'arrive à le poser quelque part, j'imagine. Dans les mains d'une statue, sur un piédestal. Et alors ici, il y a quelque chose. Méga visio. Vérifier qu'il n'y a rien de plus. À quoi sert ce serpent d'or? Non.
Ok. Il y avait vision sur toutes les salles. Ouais. Là, c'est l'entrée. C'est le massacre. Là, c'est la salle qui était sur le côté. Ça, c'est le TP. Ça, c'est l'escalier qui descend. Là, c'est la salle au rideau. Et donc, on est de retour à l'entrée. Ok. Bon, ben, je ne sais pas. Toujours la même histoire. Pour éviter de louper quelque chose. J'ai pas l'impression de louper grand-chose. Je ne sais pas, donc bah, on va s'arrêter là. De toute façon, ça fait déjà plus d'une demi-heure. On a fait un beau massacre, donc tout va bien. On va sauvegarder. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, pardon. Et portez-vous bien. Bye.